y a quelques années, mon associé, Gérard Daboville, qui roule depuis l'âge de ses 18 ans en traction. Il me l'a souvent laissé au volant. J'ai trouvé ça absolument génial, parce que c'est une voiture assez incroyable à conduire. Et le jour où elle m'a dit, j'ai un projet, je voudrais faire la route panaméricaine, nord au sud, bien entendu en traction. Est-ce que tu peux m'aider dans ce projet? Je lui ai dit oui, évidemment. La voiture est très spécialement préparée pour cette aventure. C'est un moteur d'EDS. Évidemment, on a visé la fiabilité, puisqu'elles vont être sans assistance. Elles ne peuvent emmener qu'un nombre limité de pièces de rechange. Ensuite, la sécurité, quelques améliorations, ceinture de sécurité, appui-tête, etc. Et puis ensuite, un petit peu de confort. Elles ont des sièges un peu plus confortables que les sièges d'origine. Il y a un petit chauffage d'appoint pour l'Alaska. Maintenant, quelquefois, elles auront plutôt besoin de se rafraîchir, puisqu'elles vont passer par tous les climats, finalement. La traction Avance, c'est la dernière voiture construite et lancée par André Citroën avant sa disparition. Et c'est une voiture très importante, parce qu'elle va révolutionner un peu l'automobile européenne, voire mondiale, avec la transmission sur la roue avant, qui va permettre d'avoir une voiture facile à conduire, une voiture sûre. En fait, elle était très en avance sur son temps, de par son avance technologique et son confort. Ça en fait une voiture de raid idéale. Cette route panaméricaine, j'ai choisi parce que c'est la route la plus longue du monde. Finalement, c'est la plus grande trace de l'homme sur Terre. C'est cette route qui part du nord de l'Alaska jusqu'à Ushuaia, qui était construite au siècle dernier, dans les années 30, pour relier en fait tous ces peuples, donc 14 pays. Donc c'est formidable en fait, c'est le plus grand voyage qu'on pouvait faire sur Terre. Alors évidemment, quand on a 14 pays, les thématiques sont tellement vastes et on a choisi vraiment de faire un focus sur les peuples autochtones. Je suis plus dans le côté exploration sportive à la base, dans la recherche de paysages, de découvrir des jours différents. Ça, c'est vraiment la chose qui me plaît le plus, le côté partage, quoi. On va faire le même voyage et on va être complémentaires. Il y a aussi cet incroyable lien avec l'histoire. En fait, souvenons-nous, André Citroën va, avec cette auto-chenille, utiliser l'outil automobile pour relier les hommes, pour relier les peuples entre eux. C'est vraiment presque dans la mission de notre association aujourd'hui de répondre à ces grands projets qui font clin d'œil, écho à l'histoire. Et qui d'autre que Citroën serait plus légitime pour ce type de projet? On a mis en relation Fanny avec l'Amicale Citroën International qui regroupe, je crois que c'est 100 000 collectionneurs dans le monde, hors France, et qui vont permettre aussi à Fanny et Gaël et les équipages en fait, de pouvoir avoir des points de contact partout autour de cette panaméricaine. Merci Citroën qui est capable de cultiver ses racines, cultiver son ADN, cultiver sa différence en justement participant à des opérations comme ça. Eat.